Alors ici, on est entre les communes de Florida Bianca et celle de Guagua, dans la province de Pampanga. Et on a autour de nous un système agraire qui est totalement différent de ce qu'on a vu les jours derniers. Nous avions vu un système d'élevage à très très haut niveau d'intrants en cage, un système agraire du côté de Bilmalay complètement dominé par la pisciculture extensive en étant saumâtre. Et ici, on est sur un système agraire qui est dominé par la production de riz irrigué avec deux cycles de culture par an. Mais associé à ce système, il y a d'autres activités agricoles ou d'élevage, en particulier la pisciculture intensive en étang avec de fortes densités de tilapia, une alimentation intensive. C'est une culture en étant à haut niveau d'intrants qui rapporte aux paysans de l'argent lorsque les cours du tilapia sont favorables. Il y a des périodes où les étangs ou l'élevage du tilapia peut être abandonné parce que les coûts de production sont trop élevés. La pisciculture pour les paysans est ici une culture de rente dont ils attendent un revenu financier. Mais si les conditions économiques ne sont pas favorables à la production de tilapia, les fermiers vont se replier sur d'autres cultures de rente et en particulier sur les cultures de légumes. On voit ici, c'est un peu loin, c'est à l'horizon, des productions d'Ampalaya, l'endroit où il y a tous ces piliers, tous ces tuteurs en fait. C'est un système de culture très intensif en travail et qui produit donc des légumes et qui rapporte également de l'argent aux fermiers.